Déclare officiellement ouvert le 3e championnat du monde de la CARP féminin ici à Vannes-Sierre. The third World Women CARP Championship here in Vannes-Sierre. And the best we win. Alors, je vais d'abord appeler la France. France. Number one. Number one. Un. Numéro France, oui, numéro. Alors, donc, la France, donc, elle a le A1, le B2 et le C4. Il y a eu la mise en place sur les postes et il y avait des consignes spécifiques qui avaient été convenues déjà à la base.
les mêmes choses qu'on avait faites avec les garçons, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit les premiers à amorcer pour bénéficier des bancs de poissons. Ça a plutôt bien marché sur le secteur C, où on a touché des beaux et gros poissons tout de suite. Après, sur le secteur A et B, malheureusement, il y a eu beaucoup d'encombrements, il a fallu qu'on prenne des décisions rapides. On a vite pris la décision de raccourcir la pêche pour avoir un taux de réussite quand même nettement plus important. Laurie et Myriam, elles font une belle remontée cette nuit parce qu'elles font 20 poissons pour 83 kilos. Donc c'est vraiment top parce qu'elles avaient 22 kilos de retard hier. Là, elles n'en ont plus que 7, donc c'est une belle remontée. Parce que les Ukrainiennes, elles ont fait aussi leur nuit, hein, elles ont fait des poissons. Donc moins que Myriam et Laurie, donc c'est bon. On a grappillé une place hein, sur le secteur, elles remontent deuxième. Il est 9h30, il n'y a pas de touche, donc il va falloir trouver le bon tempo, je pense. Donc c'est juste une petite histoire de réglage, et puis voilà, faut que ça reparte sur les. Faut que la machine se remette en route, quoi, tout simplement. Donc on va peaufiner les petits réglages, et puis ça va y aller. Ouais, alors la nuit a été sur le secteur B un peu mieux que ce qu'on a vécu avec les garçons. Il s'est fait une dizaine de poissons, donc ouais, c'est très très aléatoire. Alors on n'arrive pas, je crois qu'aucune nation dans l'immédiat arrive à conserver les bancs de poissons sur son poste. Comme on s'y attendait, de par le nombre de touches, les Italiennes nous sont repassées devant ce matin sur le secteur. Voilà, les Italiennes, voilà, ça pêche pas du tout comme nous, hein, ça, elles amorcent beaucoup à la farine, donc ça c'est nous des choses qu'on utilise très peu. Là on vient de reprendre un poisson, mais c'est faut chercher en permanence où sont les poissons, hein, ça varie, c'est du fond à très haut, au milieu, très bas, donc y a rien d'exact par rapport à ce qu'on a vécu aux entraînements, mais on s'adapte. Si mes calculs sont bons, on doit être deuxième sur chaque secteur. Voilà, après il faut faire très attention, les Hongroises pêchent très très bien, les Ukrainiennes aussi, donc tout est fragile. Donc c'est être sur le qui-vive en permanence et trouver des solutions pour apporter et faire la différence dans la pêche. Matinée assez compliquée. Ça a déroulé, mais pas mal de casses, donc assez tendu du coup, par rapport à la nuit qu'elles ont passée. On espérait un peu mieux, mais ça a mis les filles un petit peu en tension, du coup on a cherché les solutions. Ça a bien repris le rythme, toutes les touches viennent les unes derrière les autres, dès que ça se bombe, c'est parti. Donc comme d'habitude, comme aux entraînements, elles se sont recentrées, donc pourvu que ça dure et que du positif.
Ah, les petites prises, elle est jolie. Autour des 13h, en fait, jusqu'à 13h, c'était un peu compliqué. Le temps de trouver la dynamique d'amorçage, en fait, parce qu'on perdait les poissons, on savait pas trop. Donc on a freiné un petit peu, on a incorporé un peu de billes. On jonglait entre un tout petit peu de secondes, donc 2-3 secondes grand max, toutes les 10 minutes. On remettait un petit peu de billes derrière et on y allait crescendo comme ça petit à petit. Puis tout s'accentuait, puis après elles ont commencé à enchaîner des doublés et tout. Puis elles étaient vraiment bien coordonnées, bien réglées. Chacune avait vraiment ses marques naturellement, donc c'était vraiment parfait. Une vraie après-midi de guerrière, quoi. Tu vois, c'était vraiment intense, elles font 26 touches. C'est une très très grosse journée. Une très belle après-midi. En plus, là, je suis hyper confiant parce qu'elles ont amorcé ce soir. Pendant l'amorçage, elles font 4 touches d'affilée. Donc c'est parfait. Les poissons sont là, l'amorçage est posé, elles ont encore des touches. Donc la nuit, je pense qu'elle va être... La nuit va être bonne. J'ai hâte de voir demain matin. C'est clair. Elle est pas chaude. Hein. Sur le secteur C, après une nuit très très compliquée, elles ont fait une très grosse matinée là. Après un petit changement, une mise en place ce matin, donc les touches sont très très régulières. On a un petit peu de déchets pour des raisons que les pêcheurs de cette technique comprendront, mais c'est très très positif. Et on bénéficie aussi d'une pêche, je ne vais pas dire stérile parce qu'elles ont pris quelques poissons, mais une pêche à très peu de poissons des Ukrainiennes. La nuit sur le secteur B, donc les filles sont restées sur la continuité d'hier après-midi où elles avaient fait une grosse après-midi. Là, elles ont fait une grosse première partie de nuit et la nuit tout court même, où elles ont réussi à reprendre 40 kilos d'avance sur leur secteur. On a trouvé les poissons où ils étaient, donc ça fait 2 jours qu'on cherche. Et là, il n'y a qu'aujourd'hui qu'ils ont l'air de stagner au même endroit. Donc là, on a des touches régulières toutes les 15-20 minutes. Sur le secteur A, le secteur de Chaumard, c'est un peu plus compliqué ce matin. C'est comme les autres matinées hein, où les poissons, c'est des queues des temps, donc les poissons rentrent un peu plus dans l'après-midi et dans la nuit. Donc je pense que ça va redémarrer en fin de matinée et début d'après-midi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des filles ultra motivées et qui veulent aller les chercher. Alors ouais, quand je vois le travail qu'elles font sur chaque poste, je peux être fier d'être à la tête de cette équipe. Yeah ! C'est logique, on est resté sur du 2,50. Mais ça pour arriver à déclencher, ouais. Et vous touchez plus au zig ou au fond hein? Plus au zig. Là depuis 1h30 quoi. Il y a combien de cannes au zig? Et là on en a remis 2 au zig et 1 au fond. Ça vaut des points quand même.
on m'a défoncé là. Ah, c'est pour ça que je t'ai rien. C'est pour ça que je... J'ai préféré rien te dire, je me suis dit. Myriam et Laurie, elles ont encore passé une très bonne nuit. Une douzaine de poissons de sortie. Ce matin, dernière ligne droite, donc toute la pression, elle est là. Bon, après, le fatigue, les courbatures aussi tombent. Là, on essaye de faire quelques poissons ce matin pour faire la différence avec l'Hongrie à côté qui font quelques poissons aussi. Très peu d'écart, c'est voilà depuis le début presque, hein. C'est un bagarre de quelques poissons entre l'Hongrie et la France ici, donc très peu d'écart, donc voilà, on va voir ce que ça va donner ce matin. Allez, on retourne les filles, allez. Oh putain, rien que ça. Ouais, Là, il reste 3h30 et c'est fini. Donc voilà, plus qu'à voir pour cette dernière ligne droite, ce qu'elles peuvent faire et ce que nous, on peut trouver ensemble pour, comme stratégie pour débloquer un peu les matins qui sont toujours un peu compliqués sur ce poste-là. On a modifié certaines choses dès ce matin parce qu'on a vu que les poissons étaient de plus en plus actifs et il fallait modifier des choses sur certains postes. Les filles sont rincées, mais il faut voir le travail qu'elles ont abouti là pendant ces 12 heures. Je pense que nous, garçons, il faut qu'on se mette à l'évidence qu'elles ont autant de capacités que nous et peut-être autant de savoir. Moi, je compte les points qu'à l'arrivée, hein. Je suis jamais vainqueur d'avance. Par contre, on a creusé l'écart pour certaines choses qui sont vraiment très très positives et parce que je sais qu'elles vont y arriver, je sais qu'on va le faire pour tous ceux qui nous ont suivis. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Le titre suprême, et j'espère qu'on l'aura.
je vous remercie encore, encore et encore de votre participation, de votre fair play, de votre gentillesse, vos amabilités, de tout, pour tout. Merci à vous toutes. Thank you ever so much for your fair play, for being ever so tous les bénévoles, all the volunteers, un immense merci à eux, parce que sans eux, il n'y a rien qui se fait. Classement individuel maintenant, donc le cinquième duo, Laurie Blachon et Myriam Montaigu. Troisième nation, troisième duo. Vous pouvez rester là, restez là. Sabine Dalcin et Alice Duarte. Champion du monde individuel, c'est un duo de la France, Elia Leclerc, Élise Massé. First rank pair. Ça me ferait beaucoup plaisir que ce soit notre ami Fernand qui remette une médaille. Passer au classement par équipe. La nation classée 3e et médaille de bronze est l'Italie. Third ranked nation, Italy. Et moi, personnellement, j'ai vraiment un immense plaisir à remettre ce trophée d'Italie qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur un podium. It's with big pleasure that Fernand's giving the trophy to this nation that hasn't been for a long time on the podium. À Fernando Landonio, mon ami depuis très très longtemps. La nation classée 2e est l'Ukraine. Second ranked nation, Ukraine. Et c'est avec un immense, très très grand plaisir que j'appelle pour la 2e fois championne du monde la France.
sur un autre.